Salut à tous, c'est Megiddo. Aujourd'hui nous allons voir donc ma collection de jeux Game Boy Advance. Donc vous pouvez voir que je possède une Game Boy Advance noire classique, la noire en SP et une SP tribal. Donc voilà, ça c'est mes trois Game Boy Advance. Par contre j'aimerais un jour trouver une Game Boy Mini, enfin la dernière, la toute petite, qui a à peine la taille de la cartouche. Donc là maintenant on va voir un peu les jeux que je possède sur Game Boy Advance. J'en ai 25 et pas mal en boîte quand même. Donc j'ai déjà, on va commencer par ça en boîte avec Fire Emblem, The Sacred Stone, Pokémon Ruby, Pokémon Saphir. Faut vraiment que je pense à choper les autres Pokémon. Golden Sun. Golden Sun, l'âge perdu. Faut vraiment que je pense que je suis à choper le troisième sur sur DS. Super Mario Advance, qui est en fait Super Mario Bros 2. Super, alors Mario Kart Super Circuit. Le Roi Lion. Sérieux, je pensais que ça allait être un remake de la version qu'on a sur 16 bits. Ah ben non, pas du tout. Je suis assez déçu pour ça. Robotech, The Macross Saga. Et enfin, les deux derniers. Metroid Fusion. Et Metroid Zero Mission. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'en boîte. Et maintenant, on va voir ce que j'en lose. J'en ai une petite quinzaine. Donc j'ai... Je peux faire derrière donc Final Fight 1, le portage du premier Final Fight. C'est un peu, disons, c'est le Final Fight de la Super Nintendo, la SNES quoi, comme on dit, mais jouable à deux joueurs. Jet Set Radio, le plus pourri des trois Jet Set Radio. Mais sérieux, on se demande. THQ à l'époque avait massacré pas mal de licences Sega hein, sur Game Boy Advance. Metroid classique, enfin là c'est en fait c'est le Metroid Danes en version portée donc sur Game Boy Advance. C'était dans la collection des NES classiques, c'est-à-dire qu'il est sorti plein de jeux NES et ou Famicom en version comme ça. Ce qui est un peu dommage parce que je me suis rendu compte par la suite qu'il était en bonus dans celui-là. Dragon Ball Z, l'héritage de Goku. Dragon Ball Z, l'héritage de Goku 2. C'est dommage, c'est le troisième n'est pas sorti en France. C'était Boo Fury. C'était... bah, comme vous le disiez, sur l'histoire de Boo, quoi. Sur le chapitre Boo. C'est dommage, c'est-à-dire qu'on a que les deux parties, les deux premières parties. Ça, donc, c'est une compilation avec Winnie l'ourson et Rayman 3. Bah, moi, je l'ai gardé, c'est pour Rayman 3. Guilty Gear Advance. Oh, j'essaie de jouer un coup. Non, ça marche pas. Donc voilà. Voilà, Guilty Gear Advance. Alors soit MJ me promet du nom, j'aimerais bien ces 4 choper le 2 sur n'importe quel portage, hein, mais bon. Jurassic Park 3, The DNA Factor. Adventure Wars, faudrait vraiment que si je chope le 2 de ça. D'ailleurs j'ai prévu bientôt de me prendre les épisodes sur Famicom ou Game Boy, c'est-à-dire les épisodes en Jap. Sonic Advance 1 plus Sonic Battle. Au passage ce qui est assez marrant c'est que ce jeu est en... C'est la version PAL et pourtant le jeu dedans est en japonais. Sonic Advance 2. Ouais j'ai encore 3 à choper. Et enfin pour finir, les deux Zelda. Zelda... A Link to the Past Four Sword et Zelda The Minish Cap. Et voilà, donc voilà, vous avez, j'ai fait le tour des jeux Game Boy Advance, j'ai pas grand chose. J'en ai quand même 25, c'est déjà pas mal. Alors il y a quelques titres que j'aimerais avoir, mais bon, qui sont durs à choper, ou par exemple The Sword of Mana, après quoi d'autre, je sais pas trop, ben, il y a sûrement des titres que je voudrais que j'arrive pas à choper. Les différents Final Fantasy par exemple. Ils coûtent déjà bon. Donc voilà, on se quitte là-dessus, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc c'était mes jeux Game Boy Advance.
On verra peut-être un de ces quatre, mes jeux 3DS, mes jeux Game Gear, mes jeux Game Boy. Mais bon, ça faut que je réunisse tout, que je classe tout. Allez, bye, à plus!